Nicht
das Heiligtum bewahrt. Es war das Sein der Menschen rein zu fliegen, herab von einer Engelschar gebracht. Alljährlich nach vom Himmel eine Taube, um neu zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, der Graal und seelisch reinster Glaube, er sei durch ihn sich seiner Ritter schaff. Wer nun dem Graal zu dienen ist verkoren, den rüstet er mit über ihr die Vermacht. Wenn ihn er sieht, weicht dem des Todes nach. Selbst wer von ihm in ferne Landen sendet, zum Streiter für der Tugend rechter Mann, dem wird sich seine heilige Kraft entwendet. Bleibt als ein Ritter dort, der unerkannt. So höherer Art doch ist es grelles Segen, enthüllt muss er des Laien Auge fliehn. Des Ritters drum soll Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihr ihn. Wann muss er von euch ziehen? Nun hört, wie ich verbotner Frage lohne, vom Graal ward ich zu euch daher gesandt. Mein Vater Parsifal trägt seine Krone, ein Ritter ich bin Lohengrin genannt. Dans quel contexte avez-vous commencé à travailler sur l'œuvre ? Alors que j'étais interdit de sortie du territoire suite à mon assignation à résidence à Moscou, Alexander Nif est venu me voir pour discuter du projet. Sa proposition a catalysé ma réflexion sur l'opéra et m'a ainsi permis de me détacher de pensées dépressives. Cette offre de monter Lohengrin est arrivée après celle de créer un Parsifal à Vienne. J'ai trouvé intéressant d'aborder des œuvres dont les récits se recoupent dans deux institutions et deux villes aussi différentes. L'idée de départ de cette production a été celle d'un univers pollué par une guerre interminable. Malheureusement, ce point de vue s'est avéré prophétique, dans un sens, avec le début de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, je suis à Paris, et malgré ma joie d'être présent, je reste très préoccupé de voir le monde se déchirer. Avant d'être malencontreusement actuel, cette idée initiale renvoie à un contexte historique contemporain de la conception et de la création de l'œuvre. Wagner n'avait pas la même conception de la guerre ou de ses conséquences que celle qu'on a pu avoir après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il a peut-être romantisé l'idée du conflit et participé à créer un héroïsme romantique. On ne peut évidemment pas de nos jours traiter la guerre d'un point de vue du XIXe siècle. Elle avait alors pour visée essentielle de redistribuer des frontières et créer des nations. L'idée d'unification était inhérente à la guerre et associée à un certain pathos héroïque. Au XXe siècle, l'humanité a engendré l'horreur. Dès le premier conflit mondial, la guerre a pris un visage jusqu'alors inconnu, celui des corps mutilés et des gueules cassées amenées à porter des prothèses. Plus tard,
L'épouvante de la Deuxième Guerre mondiale a poussé Théodore Adorno à se demander si la poésie était encore possible après Auschwitz. Comme la vie d'après-guerre l'a démontré, tout est possible, et la poésie et la prose, les blessures se cicatrisent, l'histoire continue. Mais je ne peux m'empêcher de penser que la guerre est à nos frontières, et que nous continuons à vivre quasi normalement. Cette situation révèle le cynisme de la vie. Dans ce sens, ne peut-on pas se demander s'il y a encore de la place pour la représentation du merveilleux au théâtre ? Avez-vous cherché à évacuer celui propre à l'œuvre ? Nous avons au contraire gardé ce qui est magique. La magie est ici perçue par une personne qui y adhère. Dès lors qu'on y croit, tout ce qui relève de la magie ou du surnaturel devient réalité. Le surnaturel est, par ailleurs, composé d'éléments bien réels. Les vibrations énergétiques s'apparentent à une forme de réalité, à l'image de cette voix de sauveur du monde, entendue par Elsa. La conception du magique, de même que celle du réel, ont beaucoup changé entre l'époque de Wagner et la nôtre. On est ici sur un registre proche d'un thriller psychologique. Je dis toujours que les opéras de Wagner sont des blockbusters et que sa musique est particulièrement cinématographique. Il y a, dans Lohengrin, une dichotomie dramaturgique qui repose pour beaucoup sur le manichéisme entre les personnages. J'essaie vraiment d'éviter cette conception en noir et blanc. Notre connaissance du monde est aujourd'hui bien plus complexe. Ainsi, Ortru et Telramind, traditionnellement les grands méchants de l'opéra, ont ici un aspect davantage humain. Nous les avons rendus plus compliqués. Ils sont les seuls contre la guerre. À ce titre, ils me sont sympathiques, j'ai envie de me faire leur avocat. A contrario, dans la créature lumineuse de Lohengrin, il y a des taches sombres. Il porte en lui des traces de violence. Est-ce que votre perception sonore de l'œuvre influence cette compréhension ? La finesse et la générosité musicale et littéraire de Wagner sont immenses. Elles offrent la possibilité de procéder à ces basculements. Cette complexité vient de la valeur du matériau opératique. Parfois, nous sommes confrontés à la platitude des personnages, qui n'aide pas le metteur en scène et bride son imagination. Dans Lohengrin, de nombreuses scènes rendent compte d'une écriture psychologique très riche, tortueuse, particulièrement bien articulée, qui s'apparente à celle de figures dramatiques appartenant déjà au XXe siècle. Lohengrin, par sa forme musicale, reste une œuvre romantique, là où Parsifal se veut la dernière expression du révolutionnaire drame musical. Est-ce que ce dernier, par sa grande unité musicale, offre moins de liberté pour l'écriture scénique que Lohengrin ? Dans Lohengrin, comme dans Parsifal, il y a une idée clé qui participe à la progression de l'opéra. Dans Parsifal, il s'agit d'une prophétie, ici d'une défense. C'est captivant de voir qu'il y a une connaissance secrète qui, dans un cas, peut-être salvatrice, et, dans l'autre, mortelle. Je voudrais rebondir sur la question du romantisme. En dehors de toute considération musicologique, il ne faut jamais oublier que le romantisme est toujours basé sur la notion de mort. L'idée du romantisme comprend en elle-même celle du dépassement de la mort. Le culte des ruines, la célébration du côté sombre de l'existence. Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich, qui observe le monde en position presque divine, tout cela correspond à la tentative de surpasser la mort. Ou à la tentative d'accepter sa présence dans nos vies. À mon sens, par ce biais commun, Lohengrin et Parsifal font partie du même univers. Dans un registre également métaphysique, peut-on évoquer la question du non-dit et de l'identité, centrale dans Lohengrin ? Cette interdiction est un sujet très intéressant. La révélation de l'identité de Lohengrin, comme dans Barbe Bleue, met en lumière un aspect refoulé de sa vie et une nouvelle facette de l'homme. Cela s'apparente à la mort philosophique, un procédé psychologique que chacun doit vivre une fois. Lorsqu'on s'approche d'un miroir, que l'on se regarde, on doit pouvoir demander « qui suis-je ?» et répondre de la façon la plus honnête. Une fois que l'on parvient à se définir, surgit la mort philosophique à laquelle fait suite une renaissance. On touche ici à la question bouddhiste des cycles de vie. En effet. Mais, gardons cela pour une prochaine production.